aujourd'hui, je me nourris que de bubble tea pendant 24 heures. C'est le challenge le plus débile que j'aurais jamais fait. La vidéo d'après sera sûrement aux urgences pendant 24 heures. Pour soigner tout ce que j'aurais mis dans mon corps pendant ces 24 heures-là. J'avais vu un TikTok, je crois, d'une américaine qui avait fait ce challenge. Et je trouvais ça super bizarre. Se nourrir que d'un truc liquide toute la journée et en plus de ça, bubble tea. Pourquoi pas? Moi, tout ce qui est bizarre, j'ai envie de tester. Pour le petit-déj, je peux pas manger mes petits cookies que j'adore manger tous les matins. Je vais devoir manger un bubble tea. C'est parti, les amigos! C'est 9h48, j'ai tellement faim. J'ai trop hâte de manger, enfin de boire. Youhou! Premier bubble tea, le café cloud de chez Just Bubble. Les perles tapioca n'étaient pas disponibles, alors je me suis pris des jelly à la mangue. Un combo risqué et inimaginable. J'ai mon premier Just Bubble de la journée. C'est un truc avec du café que j'ai pris parce que je me suis dit, je sais pas, pour le matin, un truc au café, ça peut être cool. Je me demandais s'il fallait pas que je prenne pour la première fois de ma vie des bulles de tapioca. Elles étaient pas prêtes et apparemment c'était le meilleur avec le café. J'ai dû choisir autre chose et ce que j'ai choisi c'était des jelly à la mangue. J'y arrive pas. Je suis encore au moment où je me dis, oh trop cool, je vais enfin pouvoir boire un bubble tea. Ça sent le café. Nice. Je vais goûter d'abord la boisson. On dirait un latte macchiato. Maintenant, faut goûter avec les jelly. Sachant qu'ils sont à la mangue, je sais pas si c'est bon. C'est mélangé avec du café. J'y arrive pas. Ouais, c'est chelou. J'en ai aucun. Elle a oublié de m'en mettre ou quoi? Mec, j'ai pas de jelly. Bah franchement c'est hyper bon ensemble. J'aurais vraiment pas pensé que des jelly à la mangue et du café ça aurait été bon. En plus de ça, chez Just Bubble j'avais une espèce de petite carte. Du coup elle a pu me mettre un truc de plus. Et un jour j'aurai une boisson offerte. Aujourd'hui on va pas en tester qu'un seul. C'est la première fois de ma vie que je prends autre chose que genre du jus de fruits. D'habitude je prends le jus de fruits passion. Ou alors le jus de fruits à la mangue et les bulles à la fraise, c'est tellement bon. Pendant que j'étais dans le tram j'avais trouvé le site de Just Bubble. Moi ce que j'ai pris c'est celui-là, le S, donc le petit à 6,90. J'ai pris le café cloud avec les mango jelly. Voilà, je pense que ça va être assez pour le matin. Je pense qu'avec ma petite faim, ça va me suffire. Par contre là, je pue de la bouche. Vous savez quand les profs ils s'approchent de vous pour vous expliquer les exercices de maths et qu'ils sentent trop de la bouche le café, et bah ça c'est moi en ce moment même. On est à plein palais là, si jamais il y a des tables avec des bancs. Là il est 10h20, moi j'avais l'idée d'aller dans un autre café, devoir payer là-bas un croissant ou quelque chose pour que je puisse m'asseoir. Sauf que j'ai oublié, mais je peux pas me nourrir avec autre chose que des bubble tea. Je peux pas m'asseoir dans un café et prendre un croissant. Je me vois mal avoir ça et en plus de ça repayer une boisson même si c'est de l'eau. Je voulais me poser quelque part pour faire du montage parce que là on a encore beaucoup de temps devant nous jusqu'à midi. Tous les bubble tea sont par là. Je me suis dit que j'allais y rester. C'est super chouette qu'ils aient mis des bancs et en plus on a trop de chance avec la météo. La boisson bah elle est cafetteuse. Enfin t'as compris quoi. Apparemment il y a plein de gens qui soit adorent le tapioca soit détestent ça complètement parce qu'apparemment c'est trop amer. Du coup moi j'ai un peu peur de tester, mais je pense qu'aujourd'hui il va falloir vaincre la peur des perles de tapioca. Apparemment les tapioca ça cale beaucoup, donc je me dis c'est le meilleur à prendre pour le midi par exemple ou le soir. I'm gonna do some montage pour la vidéo qui va sortir tout bientôt. Qu'est-ce que c'est cool Genève quand même. On peut faire tellement plein de trucs. C'est là qu'ils mettent les cirques. Bah il y a d'ailleurs le cirque ici là. Voilà où je suis posée. Il me reste encore ça dans la boisson. Mais je vous avoue que là j'en peux plus. Et en plus il y a une guêpe qui me traîne autour. Je pense parce que ça sent le sucré. Ou alors parce que moi je suis super méga beaucoup trop mignonne. Et en plus je bois, plus j'ai l'impression que ça a le goût du vomi. Donc bye bye. Il était quand même vachement cool ce premier bubble tea de la journée. Et en vrai c'est chouette hein, parce que je pense que si j'aurais pas fait cette vidéo, j'aurais jamais osé goûter un bubble tea avec des jelly ou des bulles et avec du café. Là il est 11h41. Et je commence à m'ennuyer. Qu'est-ce qu'on peut faire de beau dans cette petite ville? Deuxième bubble tea, un matcha latte avec des perles de tapioca. J'avais jamais goûté ça de ma vie. J'ai été le prendre chez Monty. Ça m'a coûté 6 francs pour un moyen. La déco était super, j'aimais trop. C'était bien plus recherché que dans le Just Bubble. Et il y avait même des mochis, il y avait de tout là-bas. J'ai enfin pu prendre un truc au matcha. Je suis allée chez Monty cette fois-ci. Et je sais pas si vous connaissez le challenge où la personne elle fait avec le verre et l'autre personne avec les yeux fermés elle doit faire pam, comme ça, genre comme ça. Je suis stressée. Oh, j'ai peur. Waouh. Oh bien. C'est la première fois de ma vie que je vais goûter des perles de tapioca et apparemment c'est super amer. Oh j'arrive pas. Oh purée. Ah c'est pas bon. C'est que le matcha il est puissant. Oh mon dieu. Les perles de tapioca elles sont bloquées dans le truc. Ah ouais c'est chelou, j'ai l'impression de manger le pain quand tu l'as laissé trop longtemps dans du lait. Bizarre, encore le matcha ça peut passer. Mais les perles vraiment, c'est un peu bizarre quand même. Je m'en suis mis partout, oh punaise. Évidemment, maladroite comme je suis, j'ai mis du matcha partout sur mon pantalon. Et en plus de ça aujourd'hui je dois passer toute une journée dehors. Je suis en train de déprimer parce que clairement le truc je l'aime pas trop. Et en plus de ça j'ai faim et je commence à trembler. J'ai trop faim, c'est 14h13, j'hésite à faire un truc. Je vais tricher, on va me punir. Et du coup je dois payer moi-même mon repas. J'hésite à me prendre genre un hot dog ou un truc comme ça parce que vraiment j'ai pas non plus envie de réellement arriver aux urgences. Il est à combien d'hot dog? On va essayer de faire un truc. Étant donné que je déteste les bulles, je vais mettre toute la boisson là-dedans. Franchement elles donnent même pas trop envie ces bulles. Je vais juste boire le matcha. Ah
Alléluia. Qu'est-ce que ça sent bon et qu'est-ce que je suis heureuse de vivre. La friteuse, elle est dorée. Et moi, j'adore le doré. J'étais tellement contente de manger ailleurs parce que chez moi, la mayo, elle est périmée. Je triche, mais je suis contente. Ça fait du bien. C'était horrible de pas manger jusqu'à maintenant. J'ai bien mangé, je me suis régalée. Par contre, j'ai une sensation super bizarre. J'ai faim et je sens un immense vide un peu dans mon ventre, genre un trou. Sauf qu'en même temps, j'arrive pas à manger parce que j'ai mal au ventre. Le matcha, j'arrive pas à le finir. Et en plus, je suis bête de nouveau parce que de nouveau, j'ai pris avec du lait normal avec de la lactose. Du lactose. Le bubble tea du soir. J'en ai pris un goût kiwi avec des perles fraises, il me semble, à la Migros. J'ai vu qu'ils font des bubble tea et pourquoi pas tester, voir s'ils sont bons. Est-ce que Migros les fait bien? J'ai envie de le savoir. Alors là, c'est le soir. Il y a Théodora, elle triche, elle a mangé des nouilles. Elle est en train de se faire des nouilles. Elle a carrément la Mais cuire, ça fait mal à l'estomac. Vraiment, ça fait mal à l'estomac de boire que du sucre et ne pas manger. Ça fait pas du bien. Mais ça, on va pas le mettre. Waouh, regarde la part. Waouh, elle est paradin. Arrête, parce que ça, je vais pas mettre à la vidéo. L'eau, c'est incroyable. J'en ai pas bu de la journée, de l'eau. Je veux plus voir ça pendant au moins jusqu'à mes 50 ans. Non, quand même pas. D'ici 2-3 mois, je pourrais en reprendre. Vous savez, par contre, ça me fait très très mal au ventre. Il y a plusieurs raisons à ça. C'est que les deux premiers bubble tea, je les ai pris avec du lactose. En plus, la dame, elle m'a dit, tu sais, quand j'ai pris mon matcha, le lait, s'il est normal, ça vous va? Je fais, oui, bien sûr. J'étais trop con. Mais c'est que j'y pense pas direct, tu vois. Deuxième raison, c'est que je n'ai pas plus d'eau. Je perds la boule avec tout ce sucre. Deuxième raison, je n'ai pas bu d'eau. Je n'ai pas bu d'eau. Le premier verre, c'était là tout à l'heure. À cause du lactose, j'ai besoin d'aller me libérer aux toilettes, tu vois. Sauf que je viens d'aller pour la première fois de la journée aux toilettes, là, ce soir. Du coup, j'ai trop mal au ventre. J'ai l'impression d'avoir une sensation entre mi-constipation et mi-diarrhée. Genre un mal de ventre comme ça. Je laisse ce genre de détails ou pas? Au début, j'avoue, je voulais pas vous montrer que j'ai vraiment mangé ce soir. Mais mon frère a fait l'action de vous montrer. Parce que c'est quelqu'un de juste. Il aime pas l'injustice. Il aime pas le mensonge, n'est-ce pas? J'ai quand même mangé ce qu'il y avait à la maison, des petites nouilles, parce que j'avais trop mal au ventre. J'allais me faire une bonne douche bien chaude. Je veux plus jamais voir ça de ma vie. Faites jamais ça. Moi, j'aurais pas dû le faire non plus, je pense. On va le laisser dans le frigo, espérons que je puisse le finir d'ici demain. Et qu'il va pas tomber aux oubliettes. Hasta la vista, baby. Tu sens mon haleine pleine de café et de matcha? Burk.